Et salut à tous! Salut toi! On se retrouve sur. Voilà, je préfère qu'ils le disent parce que voilà, mon accent anglais n'est pas extraordinaire. Donc, c'est un jeu sur Mega Drive et c'est un des premiers jeux Mega Drive. Hein. Ouais, voilà, sorti avec le pack Mega Drive et Altered Beast dedans en 89, il me semble. En 88 même. Voilà. Voilà. Donc là, dès qu'on est toujours deux, bam, on dit ça. Ouais, t'as failli le Ah, mais c'est le skill, c'est le skill. C'est le skill. Tout le monde l'a remarqué, c'est le skill. Donc, Klorgan, il est en rouge et Sonic, il est en bleu. Bleu. Ça demande quoi. Voilà, c'est ça. Ah, pas sûr, putain, voilà, je t'ai galéré. Voilà, normalement, je suis. C'est bon, je t'ai sauvé. Je crois qu'il y a. Non, il n'y a pas de frame d'invulnérabilité quand t'es en évolution. Je crois pas. Hein. Si. Mais si. Après, quand t'as fini, si malheureusement tu tombes ouais, sur. Ouais, c'est ça. Ça dure que 2 ou 3 secondes et après, on prend le coup. C'est voilà. Exactement. Voilà. Donc là, on va attendre qu'il arrive, monsieur le. Ah ouais, c'est vraiment un jeu difficile quand on n'est pas concentré. Bien. Parfait. J'ai failli me le prendre. Putain de. Oh. Alors, au niveau de l'histoire, qu'est-ce qu'on a qui est pas mal. Quelle est l'histoire déjà? Est-ce que tu la connais? Bah, non, pas vraiment. En fait, on est deux haltérophiles qui se font chier et qui doivent aller sauver une espèce de princesse pour voir au début du jeu. Voilà, en fait, le but c'est qu'il faut encore aller sauver une pauvre fille qui s'est fait enlever, on va dire. Et ça, c'est Oncle Fester, la famille Adams, qui savait pas quoi foutre ses journées, qui est passé sur Altered Beast. Voilà. Et alors, qui fait venir des boss dégueulasses. C'est ça. Alors. Merde, putain, je me suis trompé de bouton. Alors, déjà, on a pas le temps, mais on parlait des transfos là. C'est-à-dire que chaque niveau, on aura des transformations différentes. Là, on a le loup-garou, qu'on retrouvera au dernier niveau, si vous le savez. Donc, on aura le loup-garou de cuivre, c'est important. Ah. En vrai, ou de cuivre, quelque chose comme ça. Niveau skin, il n'y a aucune différence, ils ont dit juste c'est une autre transformation. Quoi. Le gameplay du jeu c'est simple, vous avez les coups de pied et les coups de poing pour. Hop, je dis ça. Je prends, voilà. Et les coups de poing pour les attaques à hauteur contre les types, les ennemis qu'on a vu, les zombies. Hop, hop là. Et le petit coup de pied pour les ennemis qui sont en bas, type les chiens. Donc ça c'est. Oh putain. D'ailleurs, on n'a pas précisé, mais il faut 3 boules. Hein, voilà, 3 boules, attention. On l'a pas dit. C'est pour ça, il faut 3 boules d'énergie avant de se transformer. Et qu'est-ce qui se passe si on n'a pas les 3 boules à la fin du niveau? On recommence. Et c'est ça. Et j'espère qu'on va pas vous le montrer ça parce que c'est pas très rigolo. Ouais. À part augmenter le score, mais bon, le score, on vous avoue qu'on s'en fout un petit peu là. Le but c'est essayer de vous montrer jusqu'au bout. Voilà, parce que les boss ont tous une tactique différente. Alors, tu vois, la tactique, attention, attention. Ouais, ouais. Très compliqué celui-là. Tactique de ouf. Et voilà. Et j'ai perdu un carré, je sais pas pourquoi. Quand tu t'es pris un œil. Voilà, je me suis pris un œil, mais pourtant j'ai pas eu mini hitbox, je sais pas, il est bizarre un peu des fois. C'est clairement c'est un jeu de l'arcade adapté sur Mega Drive, il y a pas mal de petits problèmes par rapport à ça, d'ergonomie, donc c'est vrai que quand on prend un coup on le voit pas bien. Ce niveau il est juste horrible. Ouais, il est très dur, c'est sûrement le plus dur du jeu. Parce que il y a ces fameux cratères, hein, ces petits fossés, et évidemment, comme tous les jeux des points, quand on tombe dedans, mais attention. Je vais essayer d'avoir. Voilà. En plus le niveau avance. Voilà. Ah d'accord. Klorgan bon. A la bonne idée. Je sais pas pourquoi, mais. T'as eu peur, t'as eu peur de. C'est ça, mais en fait le bouton a pas passé, j'ai pas compris. Bon. Ah oui. c'est pas. Si j'allais dire c'est pas grave, en fait si. Oh putain. Si c'est grave parce que du alors. Coup on va en chier. Oh putain, ah, oh putain. Alors bon. Là. On va devoir recommencer okay. Le. Ouais, on va être bloqué parce qu'on va avoir qu'une seule boule, donc je vais me transformer en Super Musclor, mais pas en nounours. Pas la transfo. Tu vas en avoir deux. Deux? Ah oui. Hop là, vas-y, tu prends les deux. L'avantage joue à deux. Voilà, j'ai rien dit. Pas pour moi. Voilà, t'as les deux, t'es tranquille. Voilà, mais en solo, c'est pas le cas. En solo, on va commencer. Ouais, tu l'as dans le baba. Alors, comme ça, vous allez voir la strat des boss qu'on les connaît par cœur. Parce que on l'a fait, je sais pas combien de fois. Exactement. Voilà, il faut faire comme ça et bien rester à droite si vous voulez sortir de l'écran sur la droite. Sinon, le boss va vous renvoyer. Voilà. Et avoir un certain timing. Il y a juste à spammer, c'est pas intelligent, voilà. Ça c'est clair. On spam, hein, je veux dire, c'est pas. Ça a duré 2 secondes là. Voilà. Voilà, pour faire un peu transformer un chewing-gum, malheureusement. Donc c'est ça, il faut juste connaître le jeu par cœur, il est connu justement pour ça, ouais. Parce que une fois qu'on connaît les patterns des boss, vous le faites en 10 minutes le jeu. Mais quand même, il faut s'entraîner avant d'y arriver. Hein. Ah oui, complètement. Et puis à l'époque, on n'avait pas autant de skills que maintenant. Non, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment typique du jeu. Vous connaissez par cœur, ou alors vous crevez. C'est pas la peine de rêver. Vous irez pas loin si vous connaissez pas par cœur. Allez. Ah, putain. Je savais qu'il allait arriver. Ah, ouais. Alors, toujours à deux, je pense qu'il faut un à droite et un à gauche. Ouais, c'est une bonne. Hop là. Oh putain, je vais essayer. Voilà. De les tuer. C'est le mob, il est passé. J'essaie d'aller à droite si tu veux, tu vas aller à gauche. Ça, on se répartit les monstres parce que ça tombe vite. C'est
c'est voilà, c'est difficile. Vraiment un jeu difficile. Même presque 25 ans après. Ouais. C'est ça qui me, qui me tue. D'ailleurs, on s'y amuse toujours un peu, on va dire un peu, parce que bon, c'est vrai que c'est vachement répétitif, mais ouais, complètement. Mais c'est plutôt cool. Merde, putain, j'ai pris un coup de l'autre saloperie, de salamandre, là. C'est une mythe de merde qu'on retrouve dans Goldarest, d'ailleurs, si vous l'avez remarqué. Hop là. Donc là, c'est souvent, là, à part le Cheetos, c'est que là, en ce moment, le boss est plus dur. Ouais. Très, très difficile, il demande un certain timing, parce que vous allez voir, tout simplement. Je pense qu'il faudrait qu'il y en ait un qui saute derrière lui. Hein, ouais, vas-y, essaye. On va partir comme ça. Ouais, là c'est pas mal comme ça. Essaye. Ah non, c'est pas mal du tout. Les dégâts aussi, c'est assez aléatoire. Des fois, il vous met deux barres. Oh putain. Là, je pouvais difficilement faire quelque chose. Parfait. Essayez de pas perdre ma vie, moi. Ah ouais, ouais, parce que vous avez que 3 vies, après, il n'y a pas de continu, il n'y a rien. C'est vraiment à l'ancienne, quoi. À l'époque, en salle d'arcade, ils se ruinaient les gens, tout ça, c'était incroyable. Voilà, attention, 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 attention. Ah purée, je peux rien faire. Là voilà, là encore on s'en sort pas trop mal. Ouais, j'ai un même qu'on s'en sort très bien. Voilà, il est lent ce boss. On saute. Voilà. Et vous avez vu le timing. Et c'est parfait, on a une vie, on arrive à la fin, et ouais, c'est génial. Et ça c'est le dernier niveau, hein. On est vraiment le dernier niveau, c'est incroyable, mais c'est vrai quoi. Voilà. Le truc c'est que pour choper les bouboules dans le dernier niveau, c'est pas évident. Oui, c'est assez trash. Alors, il faut se coucher. À tout point là c'est... Ouais. Ok. C'est trash en plus, on a les cadavres en premier plan là. Ah parfait. Attention à... Ah, je sais pas quoi. C'est bon, je l'ai eu. Voilà, on est bon, on est bon, on est bon. Les décors sont horribles par contre, fond violet. Alors, oh pareil, il faut se baisser. Attends. Oh purée. Ah oui d'accord, ah oui, ok. Ouais, j'arrive pas à le toucher moi. Voilà, je crois qu'il faut sauter et taper. Prends l'autre. Écoutez, on débrouille pas mal les amis, je pense que... là, on est pas mal. Voilà, avec bout de chacun. C'est toi qui l'as ? Non, c'est toi. Alors prends la guette. Voilà, tu vas voir, il y a zéro différence, le même look au début. Hein. Et bien c'est cool, on va voir le boss de fin. Ah, regardez, c'est chef. Un peu ça change au niveau du skill. Allez, on nettoie tout ça, on a une vie, c'est bien, on est pas mal quoi. Et c'est tuer cette merde, voilà. Et lui, je crois que c'est un énorme Minotaur, je me souviens plus du tout de la strat. Quoi. Ah, c'est on va galérer. C'est emmerdant d'arriver là pour pas se rappeler, mais ouais. Voilà, c'est mis dans le temps. Purée! Oh la vache! Ouais, ouais. Oh purée! On l'a eu? Ouais. C'est vrai, non, ça, il est mort là. Ouais, là, il se transforme, je suis sûr qu'il se transforme. Non, non. Non! Fini. On a réussi. Le petit dragonnet, quoi. Et voilà. La musique est sympa aussi, je vais en parler, mais. C'est vraiment, faut pas oublier quoi, c'est tout le premier jeu de la Mega Drive quoi. C'est ça. Ah, c'était la princesse, je savais pas. Voilà. Ok, super bon, cinématique des quoi. Ouais, c'est la cinématique. Je clore et tout. Ouais, c'est. Non, vraiment, il est plutôt sympathique, vous avez vu, on a quand même quelques skills, hein. Nous on a l'habitude, mais pas évident du tout. Non, il est pas du tout évident, et il faut vraiment connaître les niveaux par cœur. Il peut être fun parce que vraiment ça prend quoi 10 minutes pour finir, s'il vous plaît. Voilà. La question c'est qui va se taper la princesse. C'est le, ça. Le bleu ou le rouge. Apparemment, je crois que le rouge il est un peu devant le bleu. Là, ouais, donc, au niveau du point là. Oh, c'était sympa toi. C'est. Je sais pas dire, c'est un jeu à. Ah, rien, on peut bouger. On peut bouger. Ah, ouais. D'accord, on peut frapper. Non, pas. Je me suis pris un coup de Team Shinobi, s'il vous plaît. Je me suis pris un end à la gueule. Ah, casse-toi, Startomi. Ah, ok. En fait, on peut continuer le jeu. Ah, ok. Bah, si vous êtes des fous, vous pouvez continuer jusqu'à l'infini. On va continuer parce que voilà. Voilà. Mais je me souviens pas du tout de ça. Ouh, il y a beaucoup plus de. Ah, ok. Le jeu est. j'ai explosé. Alors, c'est comme si le jeu était pas assez dur. Une fois que vous finissez le jeu, vous pouvez continuer avec plus d'ennemis. T'as vu, il y a plus, beaucoup plus d'ennemis qu'on parle. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Ah, oui, d'accord. Ils ont juste rajouté des ennemis du 3. D'accord. Oui. Ça a l'air tendu quand même. Ça donne envie d'aller plus loin quand même. Ouais, c'est une sorte de News Game Plus à l'époque. Je fais de la merde. Hein. Oui. Et, oui, le bleu. Il n'y a pas de bleu, ok. D'accord. Monsieur, je te demande une cigarette, je vais vous frapper. Attends. On va quand même essayer de voir le bleu quand même. Voilà. Viens là, mon fou. Oh. Ah, je pensais que c'était le loup là. Ok. Voilà. T'es mort comme moi. Voilà.
Ben, c'était pas mal, hein, quand même, on est allé assez loin. C'est, voilà, déjà vous avez vu le jeu en entier, parce que on va rien spoiler, entre guillemets, parce que le jeu est beaucoup trop court, ça fait partie de l'archéologie du jeu vidéo, je veux dire, ça n'existe plus, des jeux comme ça, 10 minutes, vous le terminez, quand on se plaint maintenant, voilà ce qu'on pouvait avoir, on a acheté une Mega Drive. C'est un jeu, qu'il faut faire, c'est une référence. C'est ça, voilà. C'est vraiment, c'était sorti avec la Mega Drive, donc c'est cool de voir qu'est-ce qu'on avait à cette époque pour ça, voilà. Exactement. Eh bien écoutez, on se retrouve sur d'autres jeux, toujours dans l'après-midi gaming. Bien sûr. Et d'ici là, amusez-vous bien dans le monde du jeu vidéo que nous aimons tant. Ciao à tous. Ciao tout le monde.